Stéphane Plaza est l'agent immobilier le plus célèbre de France. Il enchaîne les tournages de ses différentes émissions sans parler des travaux de son appartement qui ont duré des mois, un quotidien assez chargé. Entre maison à vendre, mieux chez soi, recherche appartement ou maison. L'animateur de 51 ans ne s'arrête plus. Récemment, il aidait des personnalités à trouver leur petit coin de bonheur et Fabienne Cara, ancienne star de la série Plus belle la vie, a bénéficié de ses services. Cette dernière souhaitait emménager avec sa sœur Carole. À nos confrères de Télépoche, Stéphane Plaza confiait il y a quelque temps, « Même si je n'ai Dieu que pour Fabienne, c'est peut-être Carole qui sera la plus proche de moi en 2021. » Les fans se sont alors demandé s'il était en couple avec elle. Ce n'est pas le cas, mais il est vrai que Carole sera désormais partie de la vie de Stéphane Plaza. En effet, elle l'épaulera dans Maison à vendre pour aider certains candidats à réaménager les intérieurs. J'ai pu lui montrer les vidéos que j'avais postées sur Instagram pendant le confinement, dans lesquelles je donnais des conseils aux gens. Il a adoré mon travail, expliquait-elle. Mais à cause de cette nouvelle association, Stéphane Plaza a été accusé de pistonner Carole. Mais il s'est rapidement expliqué sur ce choix. Avec moi, il n'y a jamais de piston. Point. Seul le talent m'intéresse. Les gens comptent sur nous. Il faut être à la hauteur. Carole a du potentiel. Il nous fallait quelqu'un qui vienne de temps en renfort car Sophie Ferjani et Emmanuel Rivassou sont très prises. Carole apporte la fraîcheur de la nouveauté. Voilà qui est clair. La rédac à lire aussi Adblock Test.